Ça me va, félicitations. Alors, un retour au 15 après un très beau passage sur le 7, ça te fait drôle de retrouver ton public comme ça à Nevers, hein? Ouais, c'est sûr que retrouver ce public, retrouver l'équipe aussi, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas joué avec eux, ça fait vraiment du bien et on sent qu'il y a vraiment une osmose dans le groupe, il y a vraiment une très très bonne cohésion entre nous et je trouve que c'est... Bah ça fait vraiment du bien en fait de revenir et de trouver ça quoi. Il y a un bon esprit, on le sent bien depuis longtemps déjà, ça va crescendo. Ceci dit, tu rentres au Pré-Fleury, titulaire, hein. ça fait drôle hein, quand même. Bah c'est sûr que... Et puis sur un match comme ça à Capital. Hein. Si on m'avait dit ça quand j'étais petit, tu joueras le match de maintien en Pro D2, je pense que je n'aurais pas cru. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu m'as dit j'espère rejouer à 15, tu te rappelles ouais, il y a peut-être un mois et demi de ça, ouais. Tu vois. Oui, c'est sûr que je voulais rejouer avec les copains parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué, même ici au Pré, depuis Chambéry. Depuis la finale retour de contre Chambéry, j'avais pas joué, donc j'avais vraiment hâte de rejouer. Et voilà, en plus pour un match important comme celui-là. Pour une apothéose, le maintien en Pro D2. C'est ça. Et c'est pas fini, il reste 3 matchs. Et oui, il faut essayer de prendre le plus de points possible. Pour essayer... Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pas ce qui va passer. Montauban est en train de passer devant Béziers, peut-être, il paraît. On verra. Bon, heureux, c'est bien. Félicitations. Merci.